On a pris un avocat et nous dit de faire une demande d'expulsion. Faites ce que vous avez à faire. Je m'appelle Inès Viviani, je me vois bien property manager chez Antisquat. Je connaissais pas la protection par l'occupation. C'est quelque chose qui a du sens, donc j'ai tout de suite sauté sur votre annonce. Le rôle du resident manager, c'est de recruter les résidents. Ceux qui payent la caution tout de suite, vous pouvez rentrer, les autres vous partez. Les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. Les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de 2 jours sans autorisation. Pas plus de 2 invités, pas de fête, pas d'enfants. Pas d'enfants. On dirait que je suis à camper. T'as bien dîné ? Ouais, j'ai mangé chez Jules. Sa mère dit que tu m'as abandonné. En fait, faut bien qu'ils comprennent qu'ils sont résidents et pas locataires. Tu vas me filer un avertissement parce que je vends des baskets ou quoi ? C'est sympa chez toi. C'est leur vie privée, non ? Tu es flic, en fait, c'est abusé. Dites rien, vous, ça vous choque pas. Vous avez signé le contrat. Au bout de 3 avertissements, vous savez ce qui se passe. L'immeuble, ils le protègent, ils l'entretiennent, mais ils sont pas chez eux. Qu'est-ce que tu fais là ? Personne doit te voir. Oh, pardon. Vous avez pas le droit d'être là. Non, mais t'as pas compris, Pierre ? Qu'est-ce qui te prend ? Je peux pas les renvoyer comme ça. Y a plein de moyens pour faire partir des gens. C'est qui ces mecs ? C'est toi qui t'es mise toute seule dans la merde. C'est nous ou eux ? C'est ça ?